Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La fulgurante expansion du parti Ensemble pour la République se poursuit sans désemparer. Les sièges locaux et internationaux du parti, cher au président Moïse Katumbi, ouvrent en cascade leurs portes les uns après les autres. Comme cela a été le cas ce samedi 19 mars 2022 avec le siège de la ville de Johannesburg en Afrique du Sud sous la houlette du très dynamique Fiston Dalla Wamukumbi qui a réuni tout Joburg au 65 Langeman Drive dans le quartier de Kensington. La salle de conférence du nouveau siège a vomi du monde, avec des cartes d'adhésion qui se sont arrachées comme des petits pains. Le clou de la cérémonie ayant été l'ouverture au fils des bureaux du siège de Johannesburg, cette ville sud-africaine qui compte la plus grande diaspora congolaise au monde. En tout cas, rêve n'a pas réalisé. Avec le président Moïse. En tout cas, tout a soutenir Mbaka Mwisho. Ensemble. Such a great joy today. We are in Johannesburg, opening of the office in Kensington. The ribbon has been cut. We are officially open. To the chairman, we are behind you. We are ready to work. We are ready to build a great Congo for our children and